Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno01net, c'est la rentrée. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut, la trousse, le cartable, Tortue Ninja, c'est prêt? J'ai bon. Taillé mes crayons, okay. Tout va bien. Parfait. Allez, on va commencer par un petit débrief de ce que vous avez peut-être raté cet été. Et oui, on ne zappe pas ce qui s'est passé lorsqu'on était sur le Transat. Non. C'est beau, hein? Eh non, l'actu a continué. Tu l'as bien descendu. J'ai bien réfléchi. C'est pas facile à dire, pourtant. Au mois d'août, pas mal d'informations sont tombées sur nos téléscripteurs, GE. Ouais, on va dire ça comme ça. Et d'abord, de nouveaux produits. Eh oui, il y a des trucs qui sont arrivés, là, pendant l'été. Alors, pas beaucoup, moins que d'habitude, hein, mais il y a eu quand même quelques petites choses. D'abord, le Moto X. Cela dit, tu étais revenu de vacances exprès pour en parler. Exactement. J'étais sorti de mon pédalo pour vous présenter donc ce nouveau téléphone, premier téléphone de l'alliance Motorola-Google, hein, vidéo disponible sur la chaîne Techno01net. Joli, c'est quand même un événement. Hein. Google qui sortait pour la première fois son téléphone sous la marque Motorola. C'est Motorola ou Google d'ailleurs la marque, au fond? Écoutez, il s'appelle Moto X, ça suffit. Nexus 7 aussi, hein? Et oui, nouvelle tablette de 7 pouces signée Google, qui avait été dévoilée vers le mois de juillet, et qui arrive là, ces jours-ci en France, elle est commercialisée. Et on vous dira tout demain. Oui, le test complet de cette nouvelle tablette fabriquée par Asus demain. Et puis, là aussi, annonce toute fraîche, c'est tombé il y a quelques jours, c'est Nintendo qui sort une nouvelle console portable. Bon. Alors, on s'attendait à un truc, genre feu d'artifice du 14 juillet ou du 15 août. Eh bien non, là, c'est un petit feu d'artifice. Petit, puisque c'est en plus fait... Plus tard du 27 août. Voilà, c'est ça, c'est la Nintendo 2DS, qui n'est autre que la 3DS, mais sans 3D, en fait. C'est dur, hein, quand on sort des produits low-cost comme ça, qui sont moins bien que ceux qu'il y avait avant. Bon, surtout qu'on est habitué quand même à une surenchère de technologie. Et là, donc, cette console sera moins chère que, évidemment, la 3DS. Et elle n'est pas dépliable. En fait, elle est en une seule partie. Mais elle n'est pas 3D. Et elle n'est pas 3D, voilà. Puisqu'elle s'appelle la 2DS. Elle sert à quoi? Elle sert à prendre les jeux de la 3DS pour y jouer, mais en 2D. Bon, Mark Zuckerberg l'a fait parler, lui, aussi, cet été. C'est vrai, avec un projet qui est un petit peu passé comme ça incognito, mais qui pourtant est plein d'ambition. Ça s'appelle Internet.org. De quoi s'agit-il? Le patron de Facebook voudrait fédérer tous les grands acteurs de la high-tech pour offrir l'accès à Internet aux milliards de personnes qui n'est pas encore connectées. Voilà, et puis on a beaucoup parlé de 4G cet été. On en parle là maintenant. Vous voyez beaucoup d'opérateurs qui font de la publicité sur la 4G. Et les opérateurs ont profité cet été pour amplifier leur couverture 4G. C'est le cas notamment chez SFR et chez Orange qui annoncent fièrement couvrir pas mal de villes, et notamment Paris, hein, et pour notamment certains. Et notamment Paris, voilà. À noter que Bouygues Télécom prépare l'arrivée de sa 4G pour le 1er octobre avec d'un coup 40% de la population couverte. Quelques news people également cet été. François. Alors Lady Gaga va sortir son album. Non, ça c'est pas notre rayon. Étienne Dao a eu un problème de santé grave, il va mieux d'ailleurs. Écoute, tant mieux pour lui, mais enfin c'est pas de ça dont on devait parler. Pas de ça, non. De Steve Ballmer. Steve Ballmer, bien sûr. Ça va pas très bien. Oui, Steve Ballmer a annoncé en pleine torpeur de ce mois d'août qu'il allait démissionner, en tout cas prendre sa retraite de Microsoft dans les 12 prochains mois. Alors comment peut-on expliquer cette vision des choses? Eh bien voilà, il faut quand même avouer que Steve Ballmer n'a pas eu que des succès ces derniers temps, hein, au sein de Microsoft. Et non, on peut dire que Microsoft a raté le virage de la mobilité, tablette, Windows Vista, mobile, c'était pas terrible. Windows Mobile, Windows Phone qui a du mal à s'imposer. Le lancement de Windows 8 qui est quand même assez décrié. Le lancement de la tablette Surface qui n'a pas eu le succès escompté. Il commence à avoir quelques casseroles quand même, notre ami Steve Ballmer. Donc voilà, il s'en va. Même s'il a quand même, il est aussi l'auteur d'énormes succès, comme par exemple la Xbox 360, enfin la console de jeu de Microsoft. Qui marcherait très fort. Au rayon People toujours, il y a eu cet été la sortie du film sur Steve Jobs. C'était très attendu, hein, biopic. C'est le premier biopic de Steve Jobs, puisqu'il y en a un deuxième qui va bientôt sortir. Oui, donc là, c'est Ashton Kutcher dans le rôle de Steve Jobs, avec un Steve Wozniak aussi que moi, je trouve pas du tout ressemblant. Et un film qui commence déjà à faire un petit peu polémique, puisqu'il n'a pas franchement emballé les geeks. Il n'a pas non plus emballé le grand public lors de sa sortie aux États-Unis. Il faudra voir sur la durée. Et Twitter qui se francise à une vitesse grand V, puisqu'on a eu deux annonces coup sur coup cet été. L'une, on va dire, des têtes pensantes de Twitter aux États-Unis va s'installer en France. C'est Cathy Stanton qui, ça y est arrivée c'est à Paris. C'est étonnant quand même, hein, comme information. Cathy. Voilà, Cathy, bienvenue. Avec sa famille, ses enfants, elle parle très bien français. Voilà, donc elle va s'installer en France. En tout cas, ça prouve que la France est vraiment un pays très important pour Twitter. Twitter ne s'en est jamais caché. Hein. C'est vrai, c'est un pays où la progression d'utilisateurs de Twitter est la plus forte. Et puis du coup, Twitter France a désormais un directeur français, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Lui, c'est un Français, il s'appelle Olivier Gonzalez. C'est un pro de la marchandisation d'audience. Voilà. Hein, pour ceux qui suivent l'actu business. Et on leur souhaite bonne chance.
Bon voilà, on remballe les parasols, les transats, on met tout dans la cave et on va un petit peu se projeter dans les semaines qui viennent avec une actualité qui s'annonce pour cette rentrée passionnante les amis, avec en premier lieu, bien sûr, les nouveaux iPhones qui vont bientôt débouler. Et oui, ça devrait être le 10 septembre, keynote d'Apple, le 10 au cours de... alors on parle donc de deux nouveaux iPhones, un successeur au 5 qui s'appellerait le 5S et puis un 5 low cost hein, qui pourrait être le 5C. Oui, c'est comme Color puisqu'en fait il serait décliné en plusieurs couleurs. Et non pas comme cheap. Non. Ce que certains ont pu dire sur le web. Sûrement pas. Bon voilà, tout ça ce sont des rumeurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos et de vidéos qui circulent sur le web. Peut-être une iWatch. Voilà. La montre Apple, il paraît que la production aurait commencé. Enfin ça, vous savez, c'est le jeu des petites rumeurs. Enfin, tous les trois mois, on vous dit ça. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à être lassant. En tout cas, ce lancement de ces nouveaux iPhones, ça, bon, voilà, il n'y a plus de secret là-dessus, il n'y a plus de doute, ça va arriver. Eh bien, ce sera à suivre sur la chaîne Techno01net en direct, bien sûr. Et puis, tiens, peut-être une tablette Nokia. Alors, ça, c'est un peu le mystère, mais ce serait logique. Hein, Nokia qui a mis le paquet avec les Lumia sous Windows Phone depuis plusieurs mois. Et chaque fois qu'on les voit, Nokia, on leur demande: alors la tablette c'est pour quand? Peut-être dans les prochains mois visiblement. Voilà, donc ça serait une concurrente de la Surface et qui serait sous Windows RT, vous savez, sous Windows que personne ne veut. Enfin bon, ça, je referme la parenthèse. On a appris aussi que Google s'apprêtait à lancer ses Google Glass. Alors c'est pas tout de suite, hein, c'est pas la peine d'aller chez votre opticien dans les jours qui viennent. Si tout va bien, ça sortira l'année prochaine. Voilà, ce serait retardé en fait, à 2014 plutôt que 2013. Dommage. Voilà, et puis on terminera entre autres par les annonces des consoles de jeux, la Xbox One qui sortira d'ici la fin de l'année, et puis la PlayStation 4 de Sony qui est attendue le 29 novembre prochain. Ça y est, on a la date, ce sera donc le 29 novembre. Pas mal de choses donc hein, qui nous attendent, tant mieux, l'actualité high-tech est très chargée et c'est le top. Voilà on vous a fait un petit résumé, comme ça vous êtes blindés, vous n'avez rien raté grâce à la chaîne Techno, vous savez tout. À très vite, on se retrouve demain bien sûr. Salut à tous. Cet athée. Arrête. Il est fini, sortez-le.